Shalom, shalom, soyez bénis, que la grâce du Seigneur soit avec vous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous venons, par cet instant, s'excuser d'abord de notre retard, dû à certaines situations techniques comme d'habitude. Alors, tout à l'heure, comme je l'avais annoncé, que nous allons beaucoup plus parler aujourd'hui, on va faire un message qui te concerne. Le message qui te concerne, c'est le message sur les liens. Comment le diable travaille pour t'attacher sans que tu te rends compte? Comment le monde des ténèbres travaille pour t'attacher sans que tu te rends compte? Et aussi le message des liens, je pense que c'est un message que tu as déjà écouté et c'est un message que tu écoutes souvent et tu te poses des questions. Comment je vais faire pour sortir de ces liens? Qui m'a lié? Tu regardes tout ce que tu fais, tu constates qu'il y a un lien derrière. Qui m'a lié? Et tu te poses toujours des questions en dehors des liens qui est derrière. Comment se fait-il que je sens que je suis dans les liens? Je sens qu'il y a les liens derrière moi. Mais qui m'a lié? Qui m'a attaché? Et autre chose aussi, tu te poses les mêmes questions. Tu te dis, en dehors de ça, comment être délié? Comment être délié? Parce que tu sens que les liens sont là, les liens sont visibles, mais comment être délié? Il y a aussi des situations qui t'amènent à te poser des multiples questions. Comment je vais faire pour sortir de ces liens? Et pourquoi aussi suis-je lié? Qu'est-ce qui les pousse à me lier? Qu'est-ce qui les pousse à m'attacher? Qu'est-ce qui me pousse? Alors c'est pourquoi je vais demander à tous nos enfants et tous ceux qui nous suivent, nos amis et tous les téléspectateurs, de partager ce direct partout dans vos groupes, parce que c'est un message, un fort message de la délivrance, et vous le partagez et connectez-vous, parce que le message que je vais donner tout à l'heure, même si tu y es dans les liens vont tomber au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et même si quelqu'un t'a attaché, la personne ne comprendra pas comment tu seras libéré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je vais essayer un peu de parler sur les liens. Et les liens, c'est un grand message et que beaucoup de personnes se posent comme question. Est-ce que réellement je suis lié? Est-ce que moi-même je suis lié? Mais je suis libre. Parce qu'avec ces liens dont je parle, tu es libre, tu marches, tu conduis la voiture, tu pars au travail, tu es marié, tu sors, tu vas au travail, et tu es étudiant, tu dois aller à l'école tous les jours, tu fais tout ce qu'il faut faire. Mais les liens sont avec toi. Comment cela arrive dans ta vie? Et même, tu peux accoucher, même les enfants que tu accouches, ils sont toujours dans les liens. Comment cela, ça se fait? Alors, c'est pourquoi il faut que tu m'écoutes à travers ce message. C'est un message très fort et c'est un message très capital pour toi. Et qui m'a lié? Pourquoi je suis lié? Et comment être délié? Ça, c'est un message très fort pour toi. Et lorsque je veux parler des liens, je vais d'abord essayer d'aller dans mon introduction pour te parler de plusieurs personnes qui ont été liées et ils n'ont pas compris comment ils ont été liés. Je vais te parler dans la Bible. La Bible parle de Shadrach, de Meshach, d'Abednego, des personnes qui étaient liées. Pourquoi Shadrach, Meshach, Abednego, on les avait attachés avant de les jeter d'abord dans la fournaise ardente. Parce qu'on avait horreur, on avait peur que ces gens ne puissent fuir. Il faut qu'on les contrôle. Même comme on les jetait dans une fournaise ardente, mais il faut qu'ils aient toujours les liens sur eux. Ça, c'est un problème. Quelqu'un peut être dans les épreuves, mais les liens ne te laissent pas. Mais tu te poses toujours des questions. Je suis en train de souffrir, mais comment se fait-il que les liens sont toujours avec moi? On te jette dans les épreuves, mais les liens sont toujours avec toi. Il y a certaines personnes, quand on parle aussi des liens, on peut parler aussi des personnes qui ont été liées comme Samson. Samson a été lié par les Philistins, mais les Philistins ne sont pas venus lier Samson par hasard. Il y a eu d'abord la personne qu'on appelle Delilah,
qui les a appelés pour dire, venez, j'ai eu maintenant tout son secret, venez, lions-les. Et on a commencé à les lier. Et lorsqu'on parle des liens, on sous-entend qu'il y a quelque chose que je vais te parler tout à l'heure. Il y a aussi des personnes, une personne, le fou de Kadara. Voici ce fou de Kadara qui avait aussi un problème des liens, mais les liens différents. Parce que ici, on dit, on l'attachait avec le fer, on l'attachait avec les chaînes, mais lui-même brisait ses liens. La manière qu'il brisait les liens n'était pas une délivrance. Bien que les liens de fou de Kadara étaient brisés, mais ce n'était pas brisé par l'onction de Dieu. Mais c'était plutôt brisé par le pouvoir satanique et démoniaque qui était en lui. Mais lui-même brisait les liens, mais même quand il restait sans les liens, il était déjà dans les liens. C'est qu'on peut vivre sans liens, mais être dans les liens. Ça, c'est quelque chose qui est grave. Et aussi, quand nous voyons la personne de Lazare, Lazare aussi était dans les liens. Comment quelqu'un peut mourir et ressusciter, mais les liens ne sont pas partis. Les liens étaient toujours avec lui. Et ça, c'est très fort. C'est là même le problème le plus crucial dans le christianisme. Il y a ceux qui disent, oh non, quand quelqu'un est dans le Seigneur, il est devenu une nouvelle créature. Il n'a plus de liens. La délivrance n'existe pas. Loin de là, la délivrance, ce n'est pas un problème de salut. On peut être sauvé, mais on n'est pas délivré. Alors, on peut être sauvé, mais on n'est pas délivré. Le salut n'est pas la délivrance. Et la personne ici était totalement sauvée. La personne est ressuscitée des morts. Mais Lazare est ressuscité avec des liens. Il fallait quelqu'un qui peut les délier. Et vous savez, les problèmes des liens sont partis trop loin. La Bible dit ceci. Il y a une personne, la personne de Paul dit, misérable que je suis, qui me délivrera? Dans chaque domaine, il faut quelqu'un qui peut te délivrer. C'est pourquoi nous allons lire un passage dans le livre des Psaumes, chapitre 2, le verset 3. Psaumes, chapitre 2, le verset 3. Psaumes, chapitre 2, verset 3. Brisons les liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Brisons leurs liens et délivrons-nous de leurs chaînes. On parle des liens au pluriel. Brisons leurs liens et délivrons-nous de leurs chaînes. C'est ça le problème. Vous savez, le problème des liens, je vais aller avec doucement pour que tu comprennes quelque chose. Les liens ont des représentations. Quand on parle des liens, on peut voir quelque chose qui te lie. Ça peut être représenté par une corde. Ça peut être représenté par une chaîne. Ça peut être représenté par le fer. Tout ça sont des liens. Et aussi, chaque personne a sa part de représentation. Mais le problème, tout ça sont des liens. Mais il y a aussi des liens qui ne sont pas représentés. La personne est libre, elle marche librement, mais elle est attachée, elle a des liens sur lui. Alors c'est pourquoi je vais t'expliquer quelque chose. Qu'est-ce qu'on entend par un lien? Un lien, c'est une parole qui est sortie et qui t'attache. Cette parole est sortie par un méchant, par un adversaire, par un sorcier, par une mauvaise personne, mais cette parole t'attache. Cette parole reste avec toi. Ça peut prendre des années, mais cette parole t'attache. Ça peut prendre une longue durée, mais cette parole t'attache. Le lien est une parole qui est sortie. Mais cette parole est sortie avec un pouvoir de la méchanceté. C'est comme quelqu'un qui s'élève qui dit, toi, tu ne te marieras pas. Quelqu'un s'élève et dit, toi, tu n'iras nulle part. Quelqu'un s'élève et dit, toi, finis l'école. Tu peux avoir Bac plus 5, mais tu ne trouveras pas de travail. Avec toute cette intelligence, comment se fait-il que tu ne peux pas trouver du travail? Parce qu'il y a un lien. Il y a une parole qui t'a attaché. Il y a une parole qui a attaché ton mariage. Et les liens peuvent être représentés dans plusieurs façons. C'est pourquoi quand la Bible dit les liens de la mort, comme la Bible dit en psaume, les liens de la mort, c'est-à-dire quoi? Les liens n'ont pas de nom. Les liens n'ont pas de nom, mais les liens portent plutôt le nom de la mission qu'il est venu faire dans ta vie. Si on l'a envoyé en mission pour créer la mort, on appelle ça les liens de la mort. Si on l'a envoyé en mission pour apporter le célibat, on appelle ça les liens de célibat. Si on l'a envoyé dans ta vie pour apporter les maladies, on appelle ça les liens de maladies. Si on l'a envoyé dans ta vie, on t'a lié pour que tu restes en chômage, on appelle ça les liens de chômage. Alors les liens
porte les noms de la mission qu'on l'a doté. C'est ce qu'il est venu faire. C'est pourquoi il va porter ces noms-là. Alors c'est pourquoi je suis en train de parler sur les liens qui t'a lié. Parce que pour qu'il y ait les liens, il y a une personne qui t'a lié. Écoute-moi bien. Il y a dans la Bible, on parle des liens de la personne de Samson. En principe, les Philistins ne sont pas venus arrêter Samson et l'attacher comme ça. Non, avec des cordes neuves. Non, il y a d'abord Delilah qui était dans la même maison. C'est-à-dire, ce ne sont pas les Philistins qui avaient lié Samson. Mais c'est plutôt les pouvoirs ou la force de Delilah qui a fait que Samson soit attaché. Il y a quelqu'un qui a autorisé que tu sois attaché. Il y a quelqu'un qui a autorisé que ta vie n'avance pas. Il y a quelqu'un qui a autorisé que ta vie ne prospère pas. C'est pour cela, sous l'onction de prière, il va tomber et ses liens seront brisés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit ceci, brisons leurs liens. Les liens sont multiples. Quelqu'un peut venir dans ta vie, mais avec la mission de te lier. Et c'est comme j'avais délivré une femme. Elle a rencontré un monsieur dans sa vie. Le monsieur lui donnait beaucoup d'argent. Et plus il lui remettait cet argent, et entre-temps, il est lié. Il lui donnait cet argent, entre-temps, il est lié. Et plus tard, le monsieur a attaché la fille. Et le moment arrivé, la fille est tombée malade. Et quand la fille tombait malade, une maladie de juste une semaine, la fille était sur le point de partir. C'est par là qu'on va nous inviter. Nous arrivons à l'hôpital. Dès qu'on commence la prière, l'esprit humain qui était dans la fille va crier et dit, ne me détruisez pas, je suis les liens de la mort. Comment tu es entré dans ce corps? L'esprit humain dit, je suis entré dans ce corps à travers l'argent, parce que je suis l'homme qui lui remettait l'argent, et c'est à travers cet argent que je l'ai attaché pour qu'elle soit sacrifiée. Qui t'a déjà attaché pour que tu sois sacrifié? Écoute-moi, on ne sacrifie pas une personne qu'on n'a pas attachée. La personne qu'on appelle Isaac, on l'a d'abord lié. Il a été lié par son père, et parce qu'on voulait le sacrifier. Et des fois, tu ne connais pas pourquoi tu perds toujours ta santé. Pourquoi tu perds toujours les opportunités? Qui a porté sa main sur toi? Qui a lié ta vie? Il y a quelque chose, il y a une main noire derrière. Et quand nous avons commencé à prier, le mauvais esprit est parti. Et aujourd'hui, cette dame est debout en train de continuer sa vie. C'est ce qui va se faire dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une personne qui est derrière toi. Il y a une personne qui t'a lié. Il y a une personne qui ne veut jamais que toi tu avance. Il y a une personne qui ne veut jamais que toi tu prospères. Il y a une personne qui ne veut jamais que toi tu voyages. Première demande de visa, refus. Or, on a attaché ta vie, on a dit lui ne sortira pas de son pays d'origine. Tu vas rester là, tu vas mourir là-bas. On a attaché même les passeports attachés, ton nom attaché, ton identité attachée. Là où les gens passent vers toi tu passes, on te bloque. Là où les gens réussissent facilement, chez toi tu échoues facilement. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Qui a lié ta vie? Et ça peut être aussi dans les ministères. Il y a aussi certaines personnes qui ont un grand appel de Dieu, mais lié. Tu te poses des questions, mais c'est quoi? Est-ce qu'on peut lier un enfant de Dieu? Oui, on peut lier un enfant de Dieu. La Bible parle sur les liens des Pléiades. Les Pléiades, c'est une constellation des étoiles. Mais ces étoiles peuvent être liées. Vous savez, il y a une personne qu'on appelle Joseph. Joseph a passé les moments sombres dans sa vie. Joseph était libre, mais laisse-moi te dire, Joseph était libre chez Potiphar. Joseph était libre même en prison, mais il était lié. Comment Joseph était lié? La Bible dit, il produisait beaucoup de bénéfices. Il était la source de bénédictions dans la famille de Potiphar. Mais lui-même, Joseph, n'avait absolument rien. Pourquoi? Parce qu'il était lié. Qui a lié ta vie? Comment tu pètes une étoile, mais tu es lié? Comment tu pètes une personne importante, mais tu es lié? C'est pourquoi je te parle, les liens ne sont pas un sujet d'imagination. Les liens existent. Il y a plusieurs personnes. Vous savez, le premier signe qui te montre que tu es dans les liens, c'est la misère. C'est pourquoi Paul dit, misérable que je suis, qui me délivrera? C'est-à-dire, il y a un problème de la misère.
Un mariage misérable, une relation misérable, un travail misérable, avec tout ce que tu fais est misérable, un ministère misérable, un avenir misérable. Même les enfants que tu as accouchés aujourd'hui ont toujours la vie misérable. C'est pourquoi je te dis, il y a une chose que je vais te dire. En principe, les liens existent, les liens travaillent, les liens opèrent, mais il y a une personne qui a le pouvoir, il y a une personne qui a le pouvoir de briser les liens. Je vais t'expliquer. Le fou de Gadara avait la force. Personne n'avait le pouvoir de les dompter, mais il brisait les chaînes. Briser les chaînes là n'était pas sa délivrance, parce que les liens qu'il avait lui étaient spirituels. Et les liens que je parle ici sont spirituels. On ne peut pas les palper, on ne peut pas les toucher. Tout ce que tu vis est spirituel, mais tu sens qu'il y a un problème qui ne va pas. Tu sens qu'il y a quelqu'un qui a mis sa main derrière toi. Tu sens qu'il y a une force qui a mis la main derrière toi. Maintenant, écoute, il y a aussi un problème. Tout le monde n'est pas mandaté de te délier. C'est pourquoi Paul dit, misérable que je suis, qui me délivrera? Il y avait plusieurs personnes qui pouvaient délivrer. Mais qui peut délivrer quelqu'un de la misère? Il y a un problème. Qui peut te délivrer de son bas-ventre? Qui peut te délivrer des problèmes de célibat? Qui peut te délivrer? Il faut une force. Il faut un mandaté de Dieu. Il faut une personne onctionnée par Dieu, à qui Dieu a donné le mandat sur la délivrance, sur le monde d'esprit, et que le monde d'esprit reconnaisse que cet homme a le pouvoir sur nous. Et c'est pourquoi je suis en train de vous dire, à travers ce programme, il y a un grand, grand programme qui s'annonce ce dimanche au ministère international de la délivrance intégrale à partir de 7h30. C'est un programme du jamais vu. Il faut que les liens de quelqu'un soient brisés. Il faut que les liens de quelqu'un tombent. Tu ne peux pas continuer à croupir dans la misère, à croupir dans la galère. Non, il y a chaque chose à son temps. Il y a un temps pour lié, il y a un temps pour délier. La personne qui t'avait lié ne comprendra pas comment tu seras délié. Alors c'est pourquoi je vous invite tous, vous tous qui nous suivez, je sais que tu as ton église et je ne peux pas te dire de quitter ton église, mais je peux juste t'inviter au programme de dimanche. Après ce programme, tu peux rentrer chez vous. Mais ce programme de dimanche, un programme de brisement des liens, un programme de délivrance des chaînes, toutes les chaînes seront brisées au ministère international de la délivrance intégrale que dirige le prophète Magé Gaston Flamme que je suis. Alors dans ce ministère, c'est dimanche le 12 février 2023, il y aura une onction particulière, parce que nous sommes dans une saison de 27 jours de restauration des familles, et on ne peut pas parler de la restauration sans parler de la délivrance, parce que la délivrance fait partie de la restauration, et ta vie a besoin d'une forte délivrance. Qui t'a lié? Qui a attaché ta vie? Comment se fait-il que toi qui étais loin, aujourd'hui je te retrouve que tu es le dernier? Toi qui étais déjà en avance, mais tu te retrouves aujourd'hui, tu es en retard. Qui t'a stoppé? Qui t'a bloqué? Écoute, la Bible dit, Paul écrit aux Galates, il est dit, vous couriez bien, mais qui vous a empêché? C'est-à-dire, quand la course, les choses étaient en vitesse, subitement un arrêt, c'est qu'il y a quelqu'un, il y a une force qui a attaché tes enfants. Tes enfants étaient les plus intelligents, mais au jour d'aujourd'hui, tes enfants sont devenus les derniers. Oh là là, ils doivent rencontrer l'onction de la délivrance. C'est pourquoi je vous invite. C'est dimanche, 12 février 2023, au ministère international de la délivrance intégrale, à côté des collèges Bénédicte, en quartier d'Onsimbi, non loin de Ndokoti, pour ceux qui sont de Ndokoti et ceux qui sont de la ville, ainsi de suite. Alors nous sommes là à partir de 7h30. Il faut souvent venir tôt pour avoir de la place. Et ce dimanche, il y aura une onction spéciale. C'est pourquoi je vous invite. Vous n'avez jamais eu le temps, pour ceux qui sont tous ici au Cameroun, précisément à Douala, et même aux environs, tu peux quitter Yaoundé, tu peux quitter Bertois, parce que nous avons souvent les gens qui quittent de Bafoussam, qui quittent de partout au Cameroun, qui viennent. Il y a même les gens qui sortent de l'étranger, qui viennent pour ce programme, qui sortent de l'Europe, des États-Unis, pour participer au programme. Et ce dimanche, il y aura une onction spéciale. Une onction spéciale. C'est pourquoi je vous invite tous à ce grand programme qui va libérer
libérer ta vie, qui va libérer tes enfants, qui va libérer tes finances, qui va libérer tes affaires et qui va libérer tout ce que tu fais. Tu as besoin d'une onction. Qui me délivrera? Il faut quelqu'un pour te délivrer. Parce que ton problème attend durer. Il faut une force pour te délivrer. Il faut une onction pour te délivrer. Il faut une dimension pour te délivrer. Écoute-moi, ce n'est pas un problème de 10 ans dans la foi. Ce n'est pas un problème de 20 ans dans la foi. Et ce n'est pas un problème que j'ai pris beaucoup. Mais c'est un problème de la délivrance. On peut être un enfant de Dieu, mais on est dans les chaînes. La personne de Lazare était déjà ressuscité des morts. Oui, tu es ressuscité des morts. Tu es mort avec Christ, tu es baptisé dans l'eau. Tu es déjà ressuscité, oui. Mais les liens sont avec toi. Comment on est sauvé pour le ciel. On a les salut pour le ciel. Mais on est délivré pour avoir une vie épanouie sur la terre. Tu dois avoir une vie épanouie sur la terre. C'est pourquoi je vous invite. C'est dimanche le 12 février 2023 au ministère. Les lieux où la divinité rencontre l'humain. Les lieux où l'onction rencontre les chaînes. Les lieux où l'effet rencontre les liens. Et dans ces lieux, Dieu se manifeste puissamment. Et c'est pourquoi je vous invite vous tous massivement, où que vous soyez, de participer à ce grand programme. Et pour ceux qui sont loin et trop loin encore, nous serons en ligne comme d'habitude. Sois là, connecte-toi avec toute ta famille en ligne à partir de 7h30. Nous serons là parce que Jésus-Christ doit opérer ce dimanche 12 février 2023. Je vais prier pour vous, vous tous qui m'avez suivi tout à l'heure. Alors, je vais prier pour vous, même s'il y a une force qui vous a dérangé, il y a une onction qui va détruire cela. Un jour, j'étais en train de prier sur une chaîne. Il y a une femme qui m'a dit, « Papa, dès que tu as commencé à prier, j'ai senti la paralysie qui était un côté de moi en train de partir. » Et le lendemain, elle a été guérie. Alors aujourd'hui, c'est ton tour. Si tu me suis tout à l'heure, le mal qui est en toi va partir au nom de Jésus-Christ. Nous prions. Père céleste, j'appelle ton esprit. J'appelle ta force, j'appelle ta puissance, j'appelle ta grâce. Je relâche une onction spéciale sur la vie de mon frère, de ma sœur. Je relâche une onction spéciale sur les problèmes des liens, les problèmes de la sorcellerie, les problèmes de poursuite, les problèmes de condamnation. Je détruis cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je ravage cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je relâche une onction spéciale à tous ceux qui nous ont suivis en direct et tous ceux qui nous suivront en direct. Que l'onction de Dieu, que la puissance de Dieu, que le miracle de Dieu, que la force de Dieu travaille sur votre vie, opère sur votre vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les liens que vous avez connus depuis les temps passés, depuis les anciens temps, que ces liens soient brisés, que ces liens soient anéantis, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, nous vous attendons ce dimanche au ministère international de la délivrance intégrale à 7h30 pour avoir une bonne place parce que l'onction va rencontrer les liens. L'onction va rencontrer les liens et l'onction va rencontrer les liens. Que Dieu vous bénisse à dimanche 12 février 2023. Amen. Shalom chez vous.